Et bonsoir, gens, c'est Willy. On se trouve pour l'épisode 4 de notre Let's Play sur Yoshi Crafted World. Dans l'épisode précédent, nous avions avancé dans les niveaux du pic du Condor. On a fait des niveaux avec les petits Pushy. Et aujourd'hui, on va passer à une nouvelle zone. Allez, on peut essayer. On peut essayer d'ouvrir une boule. Allez. C'est quoi? Alu Condor. Ah. Oh, super rare. Waouh. Waouh. Non, merci. Je suis désolé, j'aime pas les tenues. Je préférais les skins de laine de Yoshi Woolly World. Mais les trucs comme ça, bof. Je sais pas, ça me perturbe. Bref, on avance. Épuisé, si seulement tu avais 15 fleurs souriantes. Oui, voilà, tiens, cadeau. Waouh, il est gros lui. Ah, je revis. Un instant, je libère la route. Hop. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'amène par ici, dis-moi? Oh, tu recherches des gemmes? Oui. J'ai vu un drôle d'individu en robe bleue survoler la région. Il avait l'air de préparer un mauvais coup. Je me fierai à ta place. Tu ferais mieux de rester direct tant qu'il y est dans les parages. Oui. Oh, ça va, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Il doit en avoir 2-3. Allez. Quel est ce niveau? Ok, un niveau inconnu. Ah, une gemme. Une des gemmes est tombée par ici, non? Oui, je suis presque sûr que c'était dans les environs. Ah, voilà Yoshi. C'est pas vrai, comment est-il arrivé jusqu'ici aussi rapidement? Ah, le skill, hein, mon ami. Se pourrait-il qu'il ait déjà trouvé la gemme qu'on cherche? Oui. Vraiment? Je crois qu'il dit la vérité. Aucune gemme dans les environs. What? Alors arrête de nous faire perdre notre temps. Je veux mes gemmes et je les veux maintenant. Du calme, on y va. Quant à toi, je vais te transformer en nourriture pour oiseaux. Ah, un nouveau boss. Alu Condor. Eh, mais c'est mon skin. J'imagine que je crache dessus. Aïe. Voilà. Et là... Paf! Allez, il me faut encore un aimant. Ah, on commence bien le niveau. Ouf! Allez, crache ton aimant. Bon, ça va, il suffit juste de sauter en
planant. Ah voilà, casse-toi. Oula. Voilà. Et paf. Ça va, on a le truc. Est-ce qu'on va réussir avec toute la vie? On va recracher la boule de pique. Oula. Ok, ça est rapide. On se casse. Et paf. Ok, on va gagner. C'est fini. Le coup de cul final. Et voilà. Le pouvoir du coup de cul. Tu es plus résistant que je ne le croyais, mais c'est loin d'être terminé. Du coup, j'ai récupéré une gemme. Ok, première gemme. Yoshi. Ah, pour un second, je croyais que j'avais changé de Yoshi. Je vais être en mode, c'est trop bien. Voilà. Ça en fait déjà une. Qu'on change de monde. Allez. Tu t'appelles Yoshi, n'est-ce pas? Que dis-tu? Tu es à la recherche de précieuses gemmes? Oui. Écoute bien, petit, je suis Papy Bricolo. Je sais tout ce qu'il y a à savoir. Approche-toi un peu et ouvre bien tes mirettes. Les gemmes que tu cherches sont enterrées ici. Ah, il y en a trois cette fois-ci. Je sais tout, je t'ai dit. À toi de décider à l'ordre de quel tu veux les chercher. Je compte sur toi pour faire de ton mieux. Ok, on a pas mal de taf. Oh. Ok. Bonjour, bienvenue dans la région des jardins d'origami. À partir d'ici, tu peux te diriger dans la direction qu'il te plaît. Eh bien, on va faire ces 2-3 niveaux et après on va s'arrêter là, je pense. Hop. On avance. En plus, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais parler un petit peu pendant le niveau, du coup. Explosion de fleurs. Yoshi. Oh. Des masques qui se cachent. Ok. Bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Bien entendu, je filme les épisodes à l'avance, hein, pour les vacances, je vous ai prévenu dans une vidéo plus tôt, sur Zelda il me semble. Donc oui, donc je vais probablement finir ce let's play pendant mes vacances, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait la durée dans laquelle il va faire, mais après ce let's play, j'hésite entre plusieurs jeux. C'est qu'à la base, avant Yoshi, je voulais faire du Pokémon Donjon Mystère. Explorateur du temps, ou explorateur du ciel, je ne sais pas encore. Puis, en fait, comme j'ai eu une Switch, je me suis dit, autant jouer à Yoshi, j'avais très envie de faire du Yoshi. C'est pour ça que j'ai commencé ce jeu. Et en fait, après Yoshi, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je fais Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Temps ou du Ciel? Ou est-ce que je fais un autre jeu? Parce que dites-vous que si je fais Pokémon Donjon Mystère, juste après, il terminera probablement en octobre ou novembre, et donc on commencera sûrement le let's play sur Pokémon Épée.
ce qui risque de faire quand même beaucoup de Pokémon à la suite. C'est pour ça que j'ai peur en fait que ça se lasse, que vous vous lassez et que ça devienne un peu redondant en fait, qu'on fasse trop de Pokémon. Donc je sais pas... qu'est-ce que vous voudriez, vous? Si ça vous dérange ou pas. Donc je vais faire un straw poll que je vais laisser en description, que je vais mettre dans commentaire épinglé aussi. Je mettrai sur mon Discord, d'ailleurs rejoignez-moi sur mon Discord. Le lien est dans la description. Je vais le mettre un petit peu plus tôt sur Discord par contre. Et comme ça, je laisserai une petite liste de jeux avec Pokémon Donjon Mystère et avec d'autres jeux que j'aimerais bien faire. Et vous déciderez du jeu qui vous intéresserait le plus à faire durant la période, on va dire, de août à septembre. Ou de août à octobre. Ça dépend de la longueur du let's play. Donc je vous laisserai choisir. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous aurez sûrement le choix entre un et ou plusieurs jeux, hein. Vous mettrez différents choix. Oups. Et sinon, c'est l'info que je voulais vous faire partager en fait, et je l'ai dit là avant d'oublier. Du coup, n'hésitez pas à voter parce que c'est important pour moi qu'il y ait une petite... une petite interaction entre vous et moi. Hop, une fleur. Une petite interaction entre vous et moi et que vous choisissiez aussi ce qui vous plaît. Parce que si je fais du Pokémon Donjon Mystère, j'imagine que vous allez bien aimer. Mais peut-être qu'il y a des jeux que vous préférez. Ou que ça vous saoulerait d'avoir trop de Pokémon sur la chaîne. Donc, à vous de choisir. Oh, il y a un passage là. Oui. Ah ah. Ah, on va reprendre un train. Il y a des taupes. Aïe. Hop, je vous avale tous, moi. Ah, mais quel enfer. Voilà. Ah, il y a un truc là-bas. Je te vois. Moult argent encore. En tout cas, je pourrais revenir une dernière fois. J'espère que vous voterez. Vous serez nombreux à voter sur le straw poll, puisque plus on est nombreux, plus on... on aura un avis partagé, on va dire, et aussi que je saurais qu'est-ce qui pourrait vraiment plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à voter, à mettre un ou plusieurs vœux. J'ai fait tout ce qui était là, hein. Oui, j'ai tout fait. Hop. Allez, là il faut éviter de perdre sa vie maintenant. Ah, j'ai plus de... Non! Oh! Bon bah, une fleur en moins. Ah, ça va. Elle reste tout le temps. Je suis full vie. Et il y a d'autres fleurs là-bas. Et il y en a une aussi ici. Je te vois, petite taupe. C'est bon. Par contre, j'ai l'impression... attendez. Allez, spawn. Ah. Voilà. On peut mitrailler. J'ai l'impression qu'il y a moins de petits nuages mystères là cachés dans le jeu comparé aux anciens Yoshi. Parce qu'avant ça grouillait de partout et là il y en a quasi jamais.
En tout cas, c'est très rare. Ces petits nuages. Attendez. Celui-là, là. Il n'y a pas beaucoup d'invisibles. Où est-ce qu'il faut aller passer dessus pour le trouver? Hop. Par contre, il y en a beaucoup, sinon. En pas caché. Il y a un papillon. Je suis sûr qu'il cache un truc, ce papillon. Des fleurs. Par contre, il y en a beaucoup, sinon. En pas caché. Il y a un papillon. Je suis sûr qu'il cache un truc, ce papillon. Des fleurs. Par contre, il y en a beaucoup, sinon. En pas caché. Non, c'est foutu. Dommage. J'aurais pas été full vie, j'aurais pas toutes les pièces rouges. Et pas toutes les fleurs. Mais ils sont vraiment bien cachés, hein. Vous n'allez pas croire que je suis nul. Enfin, je suis nul, mais... C'est pas à cause de ça qu'on n'a pas tout. Bon, on récolte quand même pas mal de fleurs. Allez, hop, on continue. On a bientôt 3000 pièces, on a 40 fleurs. On a un joli quand même petit paquet d'argent. Allez, on continue. Ah non, ça c'est un truc pour l'argent. La chasse au topi-top. Ok, on a quasiment fini. On va peut-être faire un niveau avec le petit pushy plus tard. Et là, on fait la chasse au topi-top. Yoshi! Ah! Éliminer les topi-top! Ah, c'est comme avec le gros Yoshi qui casse tout! Paf! Et de deux! Ah, il me faudrait un œuf. Hop. Mince. Dommage, j'aurais pas eu ma fleur. Allez, sors de ta panière, toi. Vite, on se dépêche un petit peu. J'aurais bien aimé avoir des œufs. Allez, bouge! Dommage, je peux pas l'avoir d'ici. Ouf! Oh là là, la galère! Thank you.
On a 32. On va essayer de toucher eux. Ah lui, je peux pas l'assommer, il faut plein d'œufs. Dommage. Merde. Ah mais quel poulet! Oh. Et là, on nage, nage. Ouh, je parle pas beaucoup, désolé, je suis un peu concentré. On arrive au bout, j'ai l'impression. Oui. J'espère que j'aurais fait assez de taupes pour gagner quelques soleils. Rafi. 68. On était à deux doigts d'avoir 3 pièces étoiles. Enfin, 3 pièces fleurs plutôt. Mais bon, je ne regrette rien, on a plutôt bien géré. On n'a pas fait le meilleur score, mais on s'est débrouillé. Ok, là, du coup, on a la suite. Mais il y a des niveaux avec les petits pushis. Mais on fait celui-là ou on fait celui-là? On peut peut-être essayer de faire les deux. On va voir. D'abord, je fais celui-là et après, on verra. Selon mon mood, comme disent les jeunes. Allez, partons chercher les pushis. Il n'y a pas de pushy à l'horizon. J'entends. Ok, il est là. Il fuit. Où vas-tu? Il est parti où? Ah, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'acrobate? Ah ok. Voilà, ça m'en fait un. Hop. Ça va, ça on peut l'enchaîner. En fait, les niveaux avec les petits pushis, c'est plus rapide parce que tu peux un peu les rusher parce que t'as pas vraiment de trucs à chercher. Vu que les pushis se cachent dans le fond. Par contre, le petit malin là. Touché. Donc je peux un peu genre rusher le niveau tranquillement vu que il y a juste à attendre qu'un petit pushy aboie. Hop. Mais là le prochain il est sûrement vers le début du niveau. Ah. Passer par là. Hop. Hop. Hop.
Ah, mais quel boulet! Heureusement qu'il y avait encore des trucs de heal ici. Ah, on l'entend. Il est là quelque part. Bah. Hop là. Il joue à la taupe, le petit malin là. Petit coquin. Allez hop, on a fini. Et j'aurai l'étoile du timer. Yoshi! Quatre fleurs en plus. Voilà. On peut se faire la chasse au Topitope rapidement. Et après on avancera. Attends, ça combien de temps? 4 minutes 30. Ok. Aïe. Ah oui, c'est le niveau qui avance, c'est pas moi qui choisis. C'est pour ça que c'est long. Ah, il y en a déjà un là-bas. Montre-moi tes fesses. Oh non. Touché. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je tape dans les topi-topes? Non, on dirait pas. Faut juste que je survive et que je gagne de la vie. Pour l'instant, il n'y a pas les autres. On avance. Ah, j'entends un. Il est là. Ok, je l'ai eu. On récupère un petit peu de vie. Ah, c'est quoi ça? Ok. Un petit peu de vie en plus. Oui, le petit pushy. Il y a partout. Bon, c'est le mini-jeu, mais... J'ai mis l'impression qu'il y en a plus que dans le niveau original. Ok, il n'y a rien ici. Ah, il va être vraiment tout à l'avant le pushy, le dernier petit pushy. Oula. Casse-toi. Tu n'es pas beau. Ah, il est là. Il est caché quelque part là. Eh oui, je le savais. Hop, on est full vie.
et on est prêt à gagner. Il manque plus qu'à survivre. Là, tout se passe bien. Paf! Dans moins de 30 secondes, on devrait arriver au bout du jeu. Je les avale tous. Voilà. Paf! On a fini. Ça nous fait 4 fleurs en plus. Parfait! Voilà, j'ai les 3 petites étoiles. Et ça m'en fait 53. Bon, sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode, hein, qui était plutôt complet. Du coup, dans le prochain épisode, on ira dans une des nouvelles zones en bas ou à droite. Je vais voir où j'irai. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite d'autres let's play sur Yoshi Crafted World. N'oubliez pas de mettre votre petit vote dans le straw poll qui sera dans la description sur mon serveur Discord et en commentaire épinglé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.